on a fait un projet pilote en 2009. Entre autres, Drummondville a été l'une des municipalités qui a fait partie du projet pilote. Aujourd'hui, on est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé comme étant la société la plus avant-gardiste dans l'élaboration des politiques amies des aînés. Et le but de cette rencontre, c'est parce que le centre du Québec, vous savez qu'il y a 917 municipalités amies des aînés sur 1100 municipalités au Québec. Ça veut dire que c'est un programme qui fonctionne bien. Mais le centre du Québec, c'est la région qui est la plus avant-gardiste dans l'élaboration des politiques amies des aînés, à la fois pour les municipalités et à la fois pour les MRC. Sur 79 municipalités, il y en a 69 municipalités amies des aînés. Et sur 5 MRC, il y a 5 MRC amies des aînés. Mais je pense qu'il y en a une qui a commencé dans sa démarche. C'est la municipalité de l'ERAP, la MRC de l'ERAP. Et maintenant, c'est quoi les échanges? Qu'est-ce que vous attendez de ces échanges? Bien là, écoutez, vous savez qu'ici, dans le centre du Québec, les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 20 % de la population, comparativement à 18 % pour le reste du Québec. Les gens veulent garder leurs aînés chez eux, dans leur ville, dans leur village, le plus longtemps possible. On travaille ensemble pour trouver des mécanismes pour faire en sorte que nos aînés puissent vivre à domicile le plus longtemps possible. On a fait une rencontre préparatoire à cette rencontre régionale où il y a 200 personnes. Et dans cette rencontre préparatoire, on a parlé, entre autres, d'habitation. Et comme par hasard, nous étions, les maires, les préfets, sur la même lubie, c'est-à-dire faire des mini-maisons, créer des environnements pour que les gens puissent rester chez eux. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de ça. Aujourd'hui, on va reconnaître aussi 20 municipalités et une MRC. On remet un certificat, puis on va faire des annonces. Qu'en est-il, Mme Blais, de votre projet de maison des aînés? Vous posez une bonne question. On vient de l'annoncer. Je vais laisser... on a 150... Aujourd'hui, on annonce 152 places en maison des aînés et en maison alternative dans le centre du Québec. On vient d'annoncer ça ce matin. Et ça va prendre quelle forme? Bien, d'ici 2022, il va y avoir 152 nouvelles places. Vous savez que le gouvernement de M. Legault s'est engagé à créer 2600 places d'ici 2022. Alors, avec le cabinet de M. Legault, avec tous mes collègues, j'ai cette responsabilité-là de développer 2600 places et ça prend forme plus rapidement qu'on ne le pensait. Vous savez, c'est pas évident, là, faire lever 45 maisons en même temps, ou à peu près, mais c'est ça qu'on va faire. Est-ce que la maison du Sacré-Cœur à Saint-Ferdinand pourrait faire partie du lot? Écoutez, présentement, on commence à recevoir une partie des études qu'on a demandées. On a des questions supplémentaires qu'on attend à la poursuite des études pour la suite. On aura des annonces à vous faire un peu plus tard. Donc, c'est pas impossible. Toutes les possibilités sont sur la table. C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup.